Eva, esclave marronne de l'île de la Réunion au XVIIIe siècle, est l'allégorie de la femme réunionnaise originelle. L'égale de son mari, une grande figure de femme libre. Elle est connue comme la compagne d'Anchin. Ce couple a donné lieu à l'une des plus mythiques légendes de l'île. C'est donc sur l'île de la Réunion que vit Eva. Au temps où les navires négriers déversent régulièrement leur cargaison d'esclaves et que la culture de la canne à sucre bat son plein. C'est dans la plantation où elle est esclave qu'Eva rencontre Anchin, esclave lui-même, homme pacifiste et courageux. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, tout d'abord par leur spiritualité commune, mais aussi par leur soif de liberté. À force de multiples maltraitances, le couple décide de s'échapper et rejoint une montagne difficilement accessible. Il s'y cache, y subsiste pendant 10 ans, et donne naissance à 8 filles. Mais comme tous les esclaves marrons, ils sont pourchassés. Un jour, Anchin, s'écartant de sa prudence, allume un feu en plein jour. Aussitôt, la fumée aperçue, un chasseur de marrons escalade le piton et surprend la famille au sommet. Il existe plusieurs variantes de la fin de cette histoire. Selon certains, la famille est ramenée en servitude chez leur maître, ou bien le maître étant mort, les deux esclaves et leur progéniture furent affranchis. D'autres avancent qu'Anchin fut tué d'un coup de fusil, et Eva et ses enfants ramenés en esclavage. D'autres assurent encore qu'Anchin a échappé à une balle en se précipitant dans le vide, d'où il s'est envolé sous la forme d'un païen queue, le célèbre oiseau emblématique de l'île de la Réunion. C'est ainsi qu'Anchin laissera son nom au piton sur lequel il aura vécu libre avec sa famille dans le cirque de Salazie, le piton Anchin qui culmine à 1351 mètres d'altitude. Ce couple d'esclaves marrons constitue le mythe réunionnais de l'aspiration à la liberté et de la lutte nécessaire pour l'obtenir. La fuite d'Eva vers les hauts de l'île symbolise l'ascension vers le ciel, vers un paradis, source de liberté et de bonheur proche du divin. Le païen queue, quant à lui, est souvent considéré comme un porte-bonheur à la Réunion.